Bonjour à tous, chers amis. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose des rouleaux de printemps style vietnamien, un concombre, crabe, saumon. J'utilise les crevettes sauvages d'Argentine. C'est pas n'importe quoi. Carotte râpée dans laquelle je vais mettre un petit peu de sauce italienne, une forme de salade, échalote, oignon vert, un kiwi, une mangue. Bien, c'est sûr, on va avoir besoin aussi des feuilles de riz pour faire nos petits rouleaux. Je vais avoir aussi besoin de vermicelle de riz. Moi, j'en prends un ou deux morceaux, tout dépendant, parce que je fais d'autres recettes ensuite. Mais un morceau de 50 grammes, c'est suffisant. Tu fais bouillir ton eau. Aussitôt que l'eau bout, tu fermes le rond et puis tu ajoutes tes vermicelles de riz. Tu les sépares bien. Tu les laisses dans l'eau bouillante là, pendant 5 minutes. Les 5 minutes passées, tu les rinces à l'eau froide pour les refroidir. Tu les coupes en morceaux. Maintenant, tu coupes les crevettes en deux. Ensuite, tu coupes de belles tranches minces de kiwi. Là, la mangue, tu prépares ta mangue. Là, moi, j'aime bien ça, faire ça un petit peu fancy. Et puis après ça, ben, je le recoupe en petits morceaux. Pour mes carottes, je mélange avec une vinaigrette italienne. Là, un peu de quelques gouttes de vinaigrette italienne. Là, ça donne un bon goût aux carottes. Ensuite, je vais couper finement le saumon, hacher finement les oignons verts. Le concombre, ben, je vais le vider de ses graines pour qu'il soit le moins humide possible. Puis je vais trancher des belles petites tranches sur la longueur d'environ 6 mm. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà afin de soutenir ma chaîne en plein développement. Et un pouce en l'air sera également très apprécié. Prends une bonne cuillère à soupe de beurre, une cuillère à thé d'ail lyophilisé ou de l'ail frais. Une fois les crevettes bien rôties, trempez une feuille de riz, mais très peu. Hein? Je fais juste la saucer parce que vous allez voir que ça vient très, très mou. Une fois qu'elle est saucée, tu l'égouttes. Puis là, tu es prête à commencer à faire un montage. Feuille de salade, vermicelle de riz, toutes des petites quantités, là. Des carottes, un peu de saumon, des petites quantités. Sinon, ça va faire un trop gros rouleau. Ce sera pas beau puis ça va être dur à rouler. Bon, maintenant, ben, tu prends les morceaux de crevettes. J'en prends 3 demi-crevettes d'or rôti, comme ça. En rôtissant, ils se trouvent à avoir curvé, twisté, donc je casse un peu dans le curve. Maintenant, je mets mes petites tranches minces de kiwi. Mes petits bâtonnets de concombre. De la mangue, un peu de chair de crabe, un peu d'échalote, et ensuite on va commencer à rouler. Pour le roulage, je commence par refermer les deux côtés. Là, je commence mon roulage. Je serre bien au début et tout le long, je serre. En roulant, là, je maintiens une pression là, afin de garder mon rouleau le plus serré possible. C'est très important. Tu vois, celui-là vers la fin aussi. Et voilà. Tiens. Et voilà. Un beau rouleau. On voit sur un côté, on voit les kiwis. L'autre côté, on voit les crevettes. On en refait une autre. Et voilà. Tu vois, là, c'est les kiwis que j'ai mis en évidence. Le repas est servi. Bon appétit.